Suis-moi, Kara. Le vaisseau! Argo City a disparu! Des millions de gens! Ce n'est que le début. Brainiac a déstabilisé le noyau de la planète. Krypton n'en a plus pour très longtemps. Mais toutes tes recherches, tu ne peux vraiment rien y faire? C'est pour ça que nous sommes là. C'est un vaisseau? C'est là-dessus que tu travaillais? Ton oncle Jor-El a découvert une planète où peuvent vivre les Kryptoniens, loin de Brainiac. Il a construit un vaisseau comme celui-ci pour ton cousin Kal. Mais Kal, ce n'est qu'un bébé. C'est pour ça que tu dois le protéger. Lui enseigner ce que tu sais. M'occuper de lui? Pourquoi pas toi? Non. Non. Non, je ne te laisserai pas. Je t'en prie. Non, ne fais pas ça. Je ne peux pas venir, mais tu ne seras jamais seule. Tu fais partie de la maison Elle, fondée sur l'espoir. Ne l'oublie jamais. Garde toujours espoir. Monte! Non, Jacqueline. Mon expérience en tant que justicier m'a appris une chose. Chaque malfaiteur est le héros de sa propre histoire. Cela vaut aussi pour Superman. Le Joker l'a drogué. Il l'a poussé à tuer sa femme Lois, qui était enceinte, et à faire exploser la bombe qui a dévasté Metropolis. Lorsque Superman a tué le Joker, j'ai compris pourquoi. Nous l'avons tous compris. La pute. Mais cet acte a marqué un tournant majeur. Aucun retour en arrière possible. Il s'est donné, ainsi qu'à la Ligue des Justiciers, une nouvelle mission. Arrêter le crime avant qu'il ne se produise. À n'importe quel prix. Mais il n'a pas réalisé que ses bonnes intentions allaient le mener sur la voie de la tyrannie. Et du mal. C'est ainsi que notre plus grand héros est devenu notre plus grand ennemi. Superman enlève des criminels d'Arkham, et après, c'est les pires d'entre tous. Il va les exécuter, Damian. Moi, j'appelle ça la justice. Tuer n'est pas la justice. Superman ne le voit pas. Il souffre. Il a besoin de temps. Et si ça avait été Gotham? Si le Joker m'avait tué moi, ton fils? Je savais que tu dirais ça. Ça répond pas, on nous ramène à la Batcave. Sois prêt à t'éjecter. De sommation, Cyborg? Je ne te blesserai que si je n'ai pas le choix. Tu n'auras pas le choix. Mes amis étaient à Metropolis, Batman. Starfire, Beast Boy, mort. On fait ça pour que ça n'arrive plus jamais. Je comprends ta colère. Mais ça ne te donne pas le droit de tuer. Et la Ligue des Justiciers n'est pas un escadron de la mort. Ugh!
tant que Silas n'est pas là. Ta colère. Mais ça ne te donne pas le droit de tuer. Et la Ligue des Justiciers n'est pas un escadron de la mort. C'est toi que je vais enfermer cette fois. T'en fais pas pour moi. Je ne le vois pas encore, mais Superman a tort. Tu manques d'entraînement au vol. Ouais, ça va. Merci de me le demander. Allons-y. Pas tuer, mais les traumatismes cérébraux, ça te dérange pas. Sécurise les baies de chargement. Tu viens nous aider ? Oui, à vous éviter avec Clark de faire une énorme erreur. On n'avait pas vraiment le choix. Le Joker nous y a obligés. Metropolis a changé le monde. On doit changer avec lui. Pas comme ça. Après ce que tu as vécu, je pensais que tu comprendrais. Tu vas tous mettre. Longue vie à Artemis. Thank you.
Damian te méprise. Je te laisse. Pour les dieux. Où est-il? Le bloc C. Tu ne peux pas lui tourner le dos. Il a besoin de toi. C'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Où est-ce qu'on va? J'irai nulle part tant qu'on me dira pas ce qui se passe. Retourne dans le rang. Vite! Minutes. Tu vaux mieux que ça, Clark. Ces détenus sont irrécupérables. Ce sont des voleurs, des violeurs, des assassins. Comme le Joker. Quand on se bat pour la vérité et la justice, c'est un combat sans fin. Et les exécutés va y remédier? D'abord le Joker, maintenant eux. Jusqu'où ça ira? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de crimes. Et que les gens puissent vivre en paix. On a le même but, Bruce. Je voulais tuer l'assassin de mes parents. J'aurais pu le faire. Mais ce n'est pas ce qu'ils auraient voulu. Et ce n'est pas ce que Loïs aurait voulu pour toi. Laisse-la en dehors de ça. Une grenade de soleil rouge? Pour t'affaiblir. Arrête. Prends le temps de faire ton deuil, avant qu'il soit trop tard. Tu ne le serais pas. Tu es censé être mon ami. C'est pour ça que je dois t'arrêter. Abandonne.
C'est pour ça que je dois t'arrêter. Tu ne gagneras pas. N'y compte pas trop. Est-ce que tu retiendras la leçon ? Je regrette, Clark. Éloigne-toi de moi. Regarde qui j'ai trouvé. Victor Sass. Psychopathe. Combien de femmes est-ce que t'as tué ? Et... 121. 121. Pour moi, il est irrécupérable. Robin, relâche-le ! Tu préfères affronter tes amis que le véritable problème. Dernier avertissement, fils. Fils ? C'est pas toi qui m'as élevé. C'est la Ligue des Assassins. Problème résolu. Ok, suivant. Bon sang, Damian ! On ne franchit pas cette ligne ! Alors reste de ton côté, Batman. Je préfère celui de Superman. Je préfère celui de Superman. Oh.
Cette fois, tu vas mourir. T'en fais pas pour moi. Damien, je ne voulais pas. Sale lâche. On est en guerre contre ces monstres. Tu crois que tu vaux mieux que lui ? T'as permis au Joker de continuer à tuer. T'as pas pu sauver ni Lois, ni Jason, ni personne. Ça suffit. Partons. Mais les prisonniers ? Pas aujourd'hui. Superman est en prison, de même que Damian, mon propre fils. Mais surtout, nous ne devons pas oublier pourquoi ils sont là. Nous devons rester vigilants. Je croyais que le but était de rassurer les gens, Monsieur Wayne. Vous n'êtes pas seul dans la reconstruction de Gotham et de Metropolis. Mais nous devons convaincre et vite. C'est pour ça que vous avez engagé ce cabinet de communication hors de prix. Convaincre les gens de revenir dans ces villes sera plus difficile s'ils ont peur que quelqu'un s'en prenne de nouveau à eux. Superman ne sortira jamais. J'ai été clair là-dessus. Mais Wonder Woman, Black Adam, Aquaman, ils sont toujours là quelque part. Et apparemment, ils sont hors d'atteinte. Je sais que vous avez construit l'œil pour parer à toute éventualité, mais le public l'ignore. L'œil doit rester un secret. Nos ennemis ne combattront pas quelque chose qui n'existe pas. Dans ce cas, suivez au moins un des conseils si cher payés de cette agence de communication. Lequel ? Soyez un peu moins Batman et un peu plus Playboy milliardaire. Montrez-vous plus dans la journée. Et surtout souriez. D'après les chiffres, les gens se sentent mieux quand vous souriez. C'est pour votre autre travail. Bruce, envisagez d'élargir votre cercle de confiance. Personne ne gagne seul. Pas même vous. Dans le genre espace d'accueil, ça laisse à désirer. Dina, Oliver, merci d'être venu si vite. Une chance qu'on ait trouvé une nounou. Mon arrière-grand-père a bâti les premières fondations de Gotham. Mais aujourd'hui, c'est la Batcave. Et ça ici, c'est l'œil. On dirait l'œil de Sauron. Dispositif de surveillance ? Mieux que ça. Un dispositif de communication qui relie tous les satellites et serveurs de la planète. Il nous prévient en cas de danger
et nous guide en cas de problème. Il doit falloir être un génie pour manier ça. Un génie, peut-être pas. Mais j'ai quand même un doctorat. Dina ! Et son petit mari ! Vous en avez fait du chemin ! On peut dire ça, mais ça fait du bien de changer de décor. J'étais surprise que tu appelles, Bruce. J'avais l'impression que ça se passait bien. Alors qu'est-ce qu'il y a ? La chute du régime a laissé des vides dans la sécurité mondiale. On les comble comme on peut, mais on manque d'effectifs. On est vulnérables. Arlene, montre-leur ce que tu as trouvé. Okidoki. Gorilla Grodd, notre singe savant adoré. Il a monté son petit numéro de cirque, qu'il appelle la Société. D'après mon indicateur infiltré à Gorilla City, Grodd prépare un gros coup. Mais on ignore quoi, où et quand. Tout ce qu'on sait, c'est que l'épouvantail va livrer à Grodd tout un tas de gaz de terreur depuis sa planque à Slaughter Swamp. Gare aux moustiques. Heureusement que j'ai pris mon spray. Il faut que vous interceptiez le gaz avant qu'il n'arrive à Grodd. Tu ne veux pas nous accompagner ? Malheureusement, je ne peux pas quitter Gotham sans inquiéter la foule. T'en fais pas, Batou. Avec ces deux-là sur l'affaire, c'est comme si c'était fait. Je sais que je débarque, mais tu fais vraiment confiance à Harley ? Elle a changé depuis la mort du Joker. En partie. Peux-tu aller plus vite ? J'ai pas envie que Gorilla Grodd m'arrache la tête parce que tes hommes sont lents. Ne t'en fais pas, Deadshot. Nous serons prêts pour l'attaque de demain. Demain ? Le vilain singe ! Ça fait plaisir de te voir. Occupe-toi du changement. Je vais voir ce qui se passe. Brooklyn ! Ça fait une éternité ! T'es venu arrêter ces gros nuls ! Jolie prise, Ivy. Brooklyn, t'es avec eux ? Ton cher Bruce était censé prendre soin de la sève. Au lieu de cela, il s'est contenté de restaurer les jungles de béton de Gotham et de Metropolis. De mon point de vue, il ne vaut pas beaucoup mieux que Superman. Si tu crois que tes nouveaux copains se préoccupent de la sève, c'est vraiment que t'es une courge. Grodd tiendra ses promesses, ou il sera ma prochaine victime. Oh, Rookin, pourquoi tu m'obliges à faire ça ? Laisse-moi te sortir de là, copine. On peut refaire équipe. Faire marcher les garçons, tu te souviens ? Comme en bon vieux temps. On s'amusait bien, mais je ne suis pas d'humeur à ça. Dans l'ordre. Ça sent pas très bon pour toi, si tu veux mon avis.
les pyjamas, c'est fini pour toi. Affronte tes peurs. Arrête. Ton truc, j'en ai déjà pris pour rigoler. Alors tu vas adorer ma nouvelle formule. Une tolérance élevée. Mais tout le monde a peur de quelque chose. Ce sera bientôt. Bonjour, la migraine. Ce n'est pas terminé. Déguise en super-héros qui joue dans la Batcave. Mais tu l'entends.
J'entends quoi? La vraie toi, cachée sous le plancher. Attends pour en sortir. Celle qui aurait égorgé tous ses copains. Quick! Et que ça aurait fait mal. C'est Marley. Il m'a trouvé. Lâche le couteau. Oh, Harley, tu m'as toujours tellement déçu. Pourquoi j'insiste? C'est pas un faux parleur avec un costume pourri et un sourire bidon qui va me dire qui je suis. Entre nous, ça a été l'amour fou. Mais ça, c'était avant, Monsieur J. La scène. T'es trop sympa. Personne ne met Arline dans un coin. Allons-y avant qu'il lève l'ancre. Yeah.
de la sève. Arrête de jouer. Non, là, c'est plus du jeu. Vraiment eu la main verte. Bon, tu vas m'écouter maintenant. C'est l'épouvantail et ses hommes que tu cherches. Ils font du gaz toxique chez toi. On est venu les arrêter. Je vois. Je serai prêt. Oh, Swamp Thing, c'est toi le meilleur. Si jamais tu veux faire partie de l'équipe, on serait ravis de... J'y réfléchirai si vos intérêts se rejoignent un jour. Pour l'heure, partez. Le marais doit guérir. Étais-tu ? Là, dans les nuages. J'écoute. Si quelqu'un te voyait... Combien de fois il faudra te le dire ? C'est dangereux de sortir de Kandak. J'ai passé des dizaines d'années perdues dans l'espace en hypersommeil jusqu'à ce qu'Adam me trouve. Et maintenant, on m'enferme ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes mieux ? Laissez-moi sortir. Diana, tu m'as montré l'étendue de mes pouvoirs. Ce monde a besoin d'aide. Les habitants de la Terre sont si divisés, toujours à se battre. C'est parce que Kal-El n'est pas là. Batman a des yeux partout. Il faut absolument te cacher, nous ne sommes pas prêts. Je n'ai pas peur d'un homme qui porte un masque. Je suis capable de plier l'acier à main nue. Ton cousin le pouvait aussi. Mais... à quoi ça me sert ces pouvoirs si je peux même pas aider Kal-El ? Nous l'aiderons, Kara. Tout comme nous avons aidé Diana à fuir Temysira. Notre heure viendra. Nous sauverons Kal-El. Et Batman devra répondre de ses actes. Notre meilleure chance d'arrêter Grodd est une frappe préventive. Ça relève plus du militaire que du justicier. T'as essayé d'appeler l'armée ? Il n'y a pas d'armée. Pas encore. Pour faire tomber le régime, on a dû tout reprendre à zéro. Alors, quoi ? À nous trois, on neutralise Grodd et toute son armée de gorilles ? Grodd est leur leader. Si on le neutralise, les autres se soumettront. Mais attention à ne pas tomber sur des membres de sa société. Ils sont mieux organisés qu'on le pensait. Prochain arrêt, Gorilla City. Va falloir appeler la babysitter. Maman et papa vont encore rentrer tard. Si ça fait trop pour toi et Oli, Dina, je peux demander à Blue Beetle et Firestorm de prendre le relais. Non, on s'en occupe. Ça fait longtemps que vous avez raccroché, et vous avez une famille. Tu fais partie de cette famille, Bruce. J'ai pas pu être là pour finir le combat contre Superman. Hors de question que j'abandonne celui-là. Thank you.
Radia City, c'est un grand jour. Dans quelques heures, nous briserons le joug de l'oppression. À jamais! Plus de régime! Plus de Ligue des Justiciers! Aujourd'hui, le monde accueille ses nouveaux maîtres! La société! Aujourd'hui, nous montrons au monde que nous sommes supérieurs. Aujourd'hui, nous mettons quiconque osera se dresser contre nous à genoux. Complexe d'infériorité, sûrement pas pour lui. C'est pas seulement quelques membres de la société, ils sont tous là. Ils vont à l'intérieur, hors de vue des soldats. Harley, laisse le moteur tourner. À mon signal, tu nous sors de là. C'était pas vraiment subtil, Grodd. Tu as débauché la plume de Superman ? Les soldats doivent être surmotivés pour accepter de risquer leur vie, Catwoman. La haine est la plus grande des motivations. Ne retourne pas cette haine contre nous, ou c'en est fini de ta société. Tant que nous serons sur la même longueur d'onde, Captain Cold, tu n'as rien à craindre. Tu veux dire tant qu'on suivra tes ordres. Deadshot, au rapport. On est prêt à y aller. C'est bien. Va prévenir les autres. Cheetah, Cold, vous partez devant. On a déjà perdu une cargaison à Slaughter Swamp. J'espère que ton partenaire Mystère est sur le coup. Tu pourrais peut-être nous dire qui est ce fameux partenaire Mystère, puisqu'il, ou alors elle, est si important. Il se fera bientôt connaître, mais avant... Mais avant, un petit mot de l'Alliance des Héros. On est une alliance, pas vrai? Mais bien sûr, puisqu'on est mariés. Les saboteurs de Slaughter Swamp, je présume. À vous de jouer. C'est moi la Prums, compris? Tu nous trahis encore, Célina? J'ai jamais compris ce que Bruce te trouvait. J'ai 9 vies, Dina. Je ne trahis que dans certaines. Yeah.
Tu nous trahis encore, Célina ? J'ai jamais compris ce que Bruce te trouvait. J'ai 9 vies, Dina. Je ne trahis que dans certaines. On arrêtait, Dina. C'est une vraie question? Ouais, tu parles. Oh, c'était joli, Oli. Il faut qu'un de nous fasse diversion pendant que l'autre arrache son tube. Oui. Son tube de Venom, Oli. C'est gentil de la part de Batman de nous envoyer ses larbins. Je vais lui retourner la faveur en sac mortuaire. Fonce, je vais distraire Bane. Petit oiseau, tu vas hurler de douleur. Oh, je vais hurler, mais tu vas souffrir. Te remets à ta place. C'est une vraie question? Passer ce sale macaque. Je viens
car les ténèbres approchent. Docteur Fate ? Dina Lenz, Oliver Queen, par le passé, je vous ai protégé du danger. Mais une crise se prépare, et je ne sais pas si je peux l'arrêter. Vous voulez parler de Grodd et compagnie ? On est sur le coup. Grodd n'est que le pion d'un esprit supérieur. Un nouvel ordre va émerger, j'en ai eu la vision. Partez avec moi, tant que je peux vous sauver. Si vous avez vu juste, on reste ici. Batman va avoir besoin de vous. Tous ceux et celles que vous connaissez mourront. Si je ne vous conduis pas en lieu sûr, vous subirez le même sort. J'emploierai la force s'il le faut. Notre bon docteur a porté ce casque trop longtemps. On va l'aider à le retirer. Couvre-moi. Oliver Queen, quitte cette terre avant que le fil de ton destin ne se déroule. Moi, je demande que ça. Mais c'est madame qui décide. C'est plutôt gênant. Ça t'embête si je fais un selfie? Cette journée est de plus en plus bizarre. C'est leur spécial. Kent, tout va bien ? Votre casque vous prenait la tête. J'ai perdu le contrôle de Nabu, l'esprit du casque. Grâce à vous, j'ai repris le dessus pour l'instant. Je dois consulter mes maîtres, les seigneurs de l'ordre. Priez qu'ils agissent avant qu'il soit trop tard. Trop tard pour quoi, Kent? Qu'est-ce qui se passe? La magie des seigneurs m'empêche d'en dire plus. J'ai changé le destin trop souvent. L'avenir de cette planète est incertain. Ce qui arrive, nul mortel ne peut l'empêcher. Pour le meilleur ou pour le pire, votre destin est entre les mains des dieux. C'était... flippant. Ouais. Allez, viens, trouvons Grodd et fichons le camp d'ici. Docteur Fate. Vous n'êtes plus les bienvenus. On allait partir, en fait. Mais tu vas venir avec nous. Un singe qui parle ne suffisait pas, fallait qu'on ajoute de la télékinésie. Chante-nous un truc pour calmer ces bêtes sauvages. Ah, j'ai oublié ma flèche banane. Tu manges des bananes, non? Ou est-ce que c'est un cliché raciste? Espèce d'imbécile!
Tiens-toi heureux que je ne sois pas Dina. Ça, c'est plutôt gênant. Tu peux faire la sieste si tu veux. Fais pas de toi un chasseur. Tu as dû zapper l'histoire de mes origines. J'essayais juste d'être correct. Je suis étonné que ça ait marché. On n'a plus qu'à pointer et sortir Harley d'ici. C'est jamais bon signe quand ils ricanent au moment où on les arrête. Humain. Vous gagnez cette bataille, mais vous avez déjà perdu la guerre. Ça va, je vais bien. Notre victoire sur Gorilla Grotte mérite qu'on s'y attarde. Peau verte. Je parie que c'est un extraterrestre. Un martien ? Comme John Jones ? Mon point d'origine se situe à 1000 années-lumière de Mars, sur la planète Kolu. Je suis... Rania. Cause et effet. La résistance appelle la violence. On ne résistera pas. S'il te plaît, arrête. C'est vous la crise dont on nous a parlé. Qu'est-ce que vous voulez ? Je cherche celui que vous appelez Superman. Des années durant, j'ai cru avoir détruit Krypton et tous ses reliquats. La survie de Superman est une erreur que je dois corriger. Superman n'est pas un ami à nous. Je le sais. Mais votre planète a également piqué mon intérêt. Ces nombreuses contradictions sont fascinantes. On ne te servira jamais. Me servir ? Je ne suis pas un vulgaire despote. Je collectionne les mondes. Je préserve leurs savoirs essentiels pour parfaire mon intellect. Et me débarrasse ensuite des reliquats. Pourquoi ? Votre espèce valorise les métaux précieux, symboles arbitraires de statut. Je valorise le savoir. Et comme vos babioles de métal, le savoir est plus précieux. Ferme ta gueule. Il est rare.
Fais-moi un rapport sur l'équipe à Gorilla City. Je ne peux pas, Bruce Wayne de la planète Terre. Pourquoi pas ? Parce que je ne suis pas l'œil. Je suis Brainiac. Tu ne peux pas reprendre le contrôle. À ton insu, l'œil a été absorbé par mon réseau neuronal. Il est désormais le prolongement de mon esprit. Toi, simple humain fragile, tu as réussi à capturer un kryptonien mâle adulte. Je ne suis peut-être pas si fragile. Pour l'emporter, tu as employé des sciences avancées. Nanotechnologie, communication satellite, voyage interdimensionnel. Je vais prendre ces technologies. Pourquoi ? Le kryptonien m'appartient. Et bientôt, ta planète m'appartiendra aussi. Hera. Ou encore, à part Métropolis. Gotham, Pékin, Moscou, toutes ces villes, d'un seul coup. C'est lui. Qui, Kara ? Qui est-ce ? Super pute ou quoi ? Il faut libérer Cal. Vite ! C'est le tueur aux espadrilles. Non, on n'enlève pas tes espadrilles. Ah, tu portes ta tenue. Je vais encore avoir des problèmes ? Brainiac, qu'est-ce que tu sais de lui ? Où as-tu entendu ce nom ? Tu as peur de lui. Il nous envahit. Il dit que tu lui appartiens. Brainiac a tué mes parents. Il a détruit Krypton. Tu ne m'avais jamais parlé de ça. Comment je peux le battre ? Tu ne peux pas. Pas sans moi. Je trouverai un moyen. C'est mon combat, Bruce. Tu as besoin de moi. Bruce ! Bruce ! Bruce ! Besoin d'aide, docteur Randall ? Je ne sais pas, Barry. Les connexions satellites, Internet et téléphone sont HS. Je tente avec cette radio. Vous vous intégrez ? Est-ce que tout le monde vous traite bien ? Eh bien, disons que les gens ne sont pas trop emballés à l'idée de côtoyer Flash, criminel du régime condamné. Criminel du régime gracier. Patience, ils finiront par se détendre.
Basel W. Vous me recevez? Docteur Randall, Dieu merci. Les communications sont à suite. Des vaisseaux ont débarqué et largué une armée de robots sur la ville. C'est un massacre. Je sais pas combien de temps on va. Basel W. Combien de temps pour aller à Métropolis? La condition de ma grâce était claire sur le pas de pouvoir. Vous croyez vraiment que ça compte en cas d'invasion? Vous avez aidé à renverser le régime, Barry. C'est pour ça que Monsieur Wayne m'a demandé de m'occuper de vous. Et si Batman pense qu'on mérite une seconde chance, on ne discute pas. Comme prévu, Barry Allen a repris du service. L'équipe d'intervention est prête. Ils vont adorer. Joli tir, Deadshot. Fais ce que t'as à faire. Son genou va pas guérir super vite à ses webs. Mais bon sang, Cold. Regarde autour de toi. Ouais, sale journée. Un peu comme quand Superman a pété un plomb et que tu l'as suivi. Tu me puniras plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on aide ces innocents. Les innocents qui ont acclamé Superman quand il a exécuté mes amis? Ma sœur! Je suis désolé, Cole. Mais tu n'as jamais blessé de civil. Tu vaux mieux que ça! Avant tout ça, peut-être. Tu vas t'enrhumer. Dans ce cas, on se déçoit tous les deux. Yeah!
J'espérais bien que t'étais la taupe de Bruce. C'est pas un franc succès. Grodd ne m'a jamais assez fait confiance pour me parler des extraterrestres. Il faut qu'on aide Dina et Oli. Plus tard. D'abord, il faut qu'on aille à Gotham. S'il en reste quelque chose. T'es en perte de vitesse, Flash. C'est ça la retraite, on se relâche. Lawton, pourquoi tu fais ça? Tu devrais combattre l'invasion. J'ai pas le choix. Grodd m'a mis un anneau explosif dans le crâne. Il a la patte sur le détonateur. Alors que ça me plaise ou pas, je dois faire son sale boulot. Je sais. Y a rien de personnel. Grodd savait que tu résisterais pas à une bonne crise. Sawn ? T'as rien à faire ici ? Et rater le grand retour de Barry Allen. J'ai couru depuis le futur pour t'atteindre, Barry. Mais cette ligne temporelle est une catastrophe. Alors retourne à ton époque, Reverse Flash. J'ai déjà essayé. Tes copains du régime ont tué un de mes ancêtres. Maintenant, je suis bloqué dans un paradoxe. Je ne peux plus rentrer. Mais je peux encore te faire mal! Thank you.
réussi à sauver ta mère. On en a bientôt fini avec les retrouvailles. On dirait que je dérange. Al ? Non, pas maintenant. Content de te voir aussi, Marie. De la main de quel cadavre as-tu arraché cet anneau ? Tu sais que ça ne marche pas comme ça. L'anneau m'a choisi. Même après avoir lâché les gardiens pour le corps de Sinestro ? Les gardiens m'ont enfermé. Mais ils m'ont aussi appris à surmonter mes peurs. J'ai mérité la seconde chance qu'ils m'ont donnée. Les gardiens ont fait une erreur. Ça à Iris. T'as retenu tes coups là, pas vrai? Je te l'ai dit, j'essaie de faire le bien. J'ai trahi mon corps, ma planète et mes amis. C'est ça le plus difficile. Chaque jour, on me rappelle que j'ai perdu mon statut de héros. Que ça va être dur de regagner la confiance des gens. Je crois qu'on est dans le même cas. La route va être longue, Barry. Ce sera plus facile si on la fait ensemble. On a besoin d'aide, non ? Pas la sienne. Tu m'as donné une seconde chance. Parce que tu as repris tes esprits et aidé à neutraliser Clark. S'il était encore au pouvoir, il serait encore en jaune. Je ne suis plus comme ça. Je comprends que tu te méfies de moi. Mais tu devrais faire confiance aux gardiens. Cet anneau se mérite. J'ai dû passer des épreuves pour le récupérer. Tant pis, j'ai des ordres. Je pensais que ce serait plus simple si on s'entraidait. Lanterne, j'ai besoin d'élargir mon cercle de confiance. Qu'est-ce que je peux faire ? Tu vas aller à Atlantis. Notre cercle va avoir besoin d'Aquaman et de ses Marines. Tu crois qu'il nous aidera ? Il a disparu depuis la chute du régime. Il n'a pas apprécié d'être enrôlé de force dans le régime par Superman. Il ne sera pas heureux de me voir. Il va falloir t'y faire. Batman veut que mes Marines livrent son combat, comme quand Superman m'a ordonné d'envahir Metropolis. On était tous du mauvais côté dans cette guerre. Les miens ne verseront leur sang que pour Atlantis. Ils ne se battront pas pour la surface. Tu fais partie des nôtres, Arthur. Ton père... Mon père était humain, mais je règne sur Atlantis. Je ne te fais pas confiance, Jordan, ni à aucun autre habitant de la surface. Maintenant, pars et dis à Batman de rester hors de mes océans. Et quand ils seront à tes portes ? Atlantis saura se défendre. Ça arrivera plus tôt que tu ne crois. Il faut qu'on travaille ensemble. Pars ! Je n'ai pas besoin de distraction. Ah !
Je ne partirai pas! Dois-je te rappeler qui règne sur ce royaume? Que je te fais de l'ombre. Ça ne m'amuse pas, Al. Sois raisonnable, Arthur. Exactement ce qui s'est passé en haut. D'abord, il coupe les communications. Ensuite... ils envahissent. Ce sont des océans. Mais c'est aussi mon secteur. Laisse-moi t'aider. Couvre-moi. Je croyais que le seul ancien du régime que j'allais torturer était Aquaman. Cheetah. Je vais aller droit au but. Wonder Woman se cache quelque part. Peut-être même ici. Dis-moi, où est ton ami Amazon? T'es pas au courant? C'est plus mon ami. Ni celle d'Atlantis. Menteur! J'ai pas besoin de l'assaut magique pour te faire cracher le morceau. Sera ravi. Que c'est bon d'être vert.
de l'assaut magique pour te faire cracher le morceau. Ça intéressant. Je garde le meilleur pour la fin. De l'assaut magique pour te faire cracher le morceau. Comme toi par rapport à Wonder Woman? Par le côté. Tiens cette ligne, tu seras la garde arrière. D'accord. Et toi? Je suis l'avant-garde. Al Jordan, tu es revenu. Ça fait du bien de reprendre sa place. Un peu comme toi en prison. Déjà en tant que lanterne jaune, tu ne me respectais pas. Cette fois, je vais te montrer comme il est facile de briser ta volonté. Thank you.
Tu ne te laisses pas tuer facilement. Green Lantern ne perd jamais. Ferme les portes, mais le combat n'est pas terminé. Hal ? Désolé, j'étais ailleurs. Où est-ce qu'on en est ? Tu as risqué ta vie pour Atlantis. On peut peut-être te faire confiance. Alors, tu nous aides ? Je ne peux pas. Ma place est ici, auprès de mon peuple. Atrocitus et Dexstar, agent de la vengeance, animé par la rage. Ne t'en fais pas, je vais les affronter, anneau contre anneau. Bonne chance. C'est toi que j'entendais dans ma tête, pas vrai, Atrocitus ? Les yellow lanternes de Sinestro ont fait des millions de victimes. Et elles crient vengeance. Tu as peut-être jeté l'anneau. Mais tu n'es pas pardonné. T'es pas le premier à me dire ça. Dexstar veut t'arracher le cœur et lécher ton sang. Mais je sens en toi un potentiel plus grand, une étincelle de rage. Qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce que c'est ? Que cette colère ! Tu as peut-être surmonté tes peurs, mais tu as quand même trahi les Green Lanternes. Blessé tes alliés. Comment peux-tu te le pardonner ? Je ne peux pas ! Alors brûle ! Nul mal m'échappe à mon regard. Que ceux qui, devant le mal, se proclament. Craignent la lumière des Green Lanternes. Tu as raison. Je me déteste pour ce que j'ai fait. Mais ma volonté est plus forte que ma haine. Plus.
Kuba. Tu imploreras. On évitera de parler de ça au gardien. La phase bêta est achevée. Les défenses de la Terre sont irrémédiablement compromises. Lancez le compte à rebours. J'ai fait le tour du globe. Des vaisseaux plus gros sont positionnés au-dessus de ces grandes villes. Même avec les Marines d'Aquaman, on manque sérieusement d'effectifs. C'est quoi le plan? Tu en as un, non? Il va nous falloir évacuer les villes occupées avant d'affronter Brainiac. Mais il nous faut de la puissance. Il y a de gros calibres dans le personnel de Luthor Wayne? Blue Beetle et Firestorm. Mais ils sont occupés. Trop occupés pour ça? Ils sont la dernière ligne de défense si Brainiac s'en prend à Superman. Enfin, si Brainiac essaie pas de le sortir de prison, Adam et Wonder Woman le feront. Et plus ça s'aggrave, plus les gens voudront qu'on fasse appel à lui. Je dis ça comme ça. J'espère que les nouveaux sauront tenir tête à l'ennemi galactique numéro 1. Beetle et Firestorm sont peut-être jeunes, mais ensemble, c'est notre équipe la plus puissante. Sans blague, Raimi. Batman nous prend pas au sérieux. Les extraterrestres débarquent et on se retrouve de garde. On surveille Superman et sa bande. Qui ont déjà des gardes. On garde des gardes. On sert à rien. Jason prend du recul et voit les choses dans leur ensemble. Je préfère être ici que là-bas. Cette armure est une machine de guerre alien. Entre ça et votre matrice Firestorm, si on affronte Brainiac, boum! On peut faire sauter la planète. Raimi a raison. On ne maîtrise pas totalement ses pouvoirs. Professeur, Raimi, écoutez-vous parler! Nous, on est des pointures, et la place des pointures, c'est pas ici, c'est au front! Tu es sur la ligne de front. Brainiac qui se déchaîne, c'est une crise. Brainiac et Superman à la fois. Là, c'est l'apocalypse. Alors on est le dernier rempart entre la crise et l'apocalypse? Vu comme ça, ça me va. Ou le fan club de Superman. Dans les deux cas, je propose qu'on fusionne. C'est parti. La cellule de soleil rouge est OK. Ça doit être... La centrale électrique. S'ils la détruisent, les générateurs s'arrêtent. Et il pourra sortir d'ici.
L'un de nous s'occupe d'Adam. L'autre relance les générateurs avant que Superman puisse s'échapper. Un plan minable. Vous allez plus probablement mourir ici. Bon, et bien cette fois, on est au fond. Tu n'es qu'un petit garçon avec un trop grand pouvoir. Tout comme Billy Batson qui nous a quittés.